radio ici et maintenant sur 95.2 FM. J'arrête quand je veux. FM, David Abbassi est avec vous. Et comme vous êtes déjà informé, j'ai le plaisir de recevoir un homme courageux. Un homme courageux, c'est Monsieur Jacques Myard, député, ancien, maire, Maison Lafitte, quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour lui. Je suis ravi de l'avoir ce soir avec nous, ici au Méton. Monsieur Myard, bonsoir. Comment allez-vous, monsieur le maire? Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. J'espère que vous allez bien, monsieur le maire. On est ravis de vous avoir ce soir avec nous. Avec tous ces problèmes des grèves d'un côté, les guerres de l'autre côté, des crises économiques. D'abord, si vous permettez, monsieur le maire, on va commencer par les grèves qui a commencé depuis le mois de décembre 2019, que ça continue. Quelle est votre opinion? Que pensez-vous à ce sujet, mon cher monsieur Myard? Mais écoutez, moi je vais vous dire une chose, je ne comprends pas que le gouvernement se soit embarqué dans une telle galère. Parce que la retraite par points n'est pas en soi la solution de l'équilibre des retraites. C'est un mode de calcul. Et donc, en voulant mettre tout le monde dans le même système universel, alors qu'il existe 42 régies, eh bien, c'est prendre le risque de mécontenter tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a bien vu ensuite que le gouvernement voulait mettre une date pivot, une date d'équilibre, parce que, bien évidemment, il faut financer l'ensemble du système. En réalité, le système par points est une sorte de régime soviétique, c'est-à-dire qu'on met tout le monde dans la même nasse, dans le même panier, et ensuite, d'en haut, on serre les boulons. Je vais vous donner un exemple. Le système AGIRC-ARRCO, qui est un système par points complémentaire pour les gens du privé, n'a pas bougé son point, la valorisation de son point, depuis 5 ans. Donc ça prouve bien qu'il baisse les retraites. Donc le système de répartition par points n'est pas un élément de garantie d'augmentation des retraites ou de non-baisse des retraites. Et donc, je suis étonné que le gouvernement qui a lancé ce système sur une sorte de slogan électoral n'ait pas compris qu'en réalité, on ne fait pas simplement de l'économie économétrique, c'est-à-dire que sur le papier, c'est merveilleux, mais il n'a pas compris qu'on fait de l'économie politique et qu'en réalité, en voulant imposer ce système dit universel, on allait mécontenter tout le monde. Donc il s'est mis dans une nasse, dans une impasse. J'ajoute à cela que bien évidemment, il a prétendu qu'il y aurait, ce serait la fin des régimes spéciaux et il les reconduit avec des régimes spécifiques. Donc aujourd'hui, on le voit bien, surtout après la lettre du Premier ministre aux associations, aux syndicats, qu'en réalité, il est en train d'essayer de vouloir trouver une solution avec la conférence financière d'avril, alors même qu'il veut débuter la discussion au Parlement, et donc ce projet, il est mort-né, et quand on dit qu'il veut ensuite modifier en deuxième lecture, eh bien, il se fiche de la figure des parlementaires et des Français. Il eût mieux valu de retirer ce projet et de discuter, et ensuite de venir avec un projet bouclé avec l'ensemble des partenaires sociaux, et non pas avoir fait subir au pays bientôt 7 semaines de grève. C'est de la pure gabegie, et le gouvernement a véritablement agi avec amateurisme. Et c'est ça le problème. On ne lance pas
une telle affaire sans avoir fait une étude préalable complète, ce qui n'a pas été fait. Exact. Mes amis, je veux vous informer que nous sommes avec M. Jacques Myard, M. le maire, et vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. M. le maire, M. Jacques Myard, il y a une question assez importante qui ça a été évoquée depuis quelques semaines, c'est la manne des étrangers, on peut dire des étrangers, je ne sais pas si les Américains c'est des étrangers ou non, sur ce projet de loi. Et surtout, et quand on parle de BlackRock et l'histoire de cotisation des salariés de plus de 10 000 euros, ce qu'ils touchent plus de 10 000 euros, qui devraient être cotisés ailleurs, qui ne va pas aller dans les caisses françaises. Et concernant cette histoire BlackRock, Monsieur Myard, Jacques Myard, vous, qu'est-ce que vous avez à nous donner et que pensez-vous, cher ami? Alors. Il ne faut pas tout mélanger. Le sieur Cirelli est un homme, un haut fonctionnaire. C'est vrai qu'il est le président de BlackRock France aujourd'hui, mais il y a effectivement un non-dit dans la réforme des retraites. À partir du moment où on exonère des cotisations sociales du système par répartition les 10 000 euros de salariés, eh bien, on peut se dire qu'ils vont les diriger vers des retraites par capitalisation. Et c'est ce que certains syndicats ont accusé le gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des compléments de retraite par capitalisation. Il y en a déjà actuellement. Les salariés eux-mêmes ont parfois des préfonds, des choses comme ça, pour cotiser davantage et avoir un complément de retraite. Mais il est clair qu'il y a eu un manque total de discernement et qu'il a été totalement inopportun d'élever au grade d'officier M. Cirelli, que je connais par ailleurs, qui est un haut fonctionnaire, qui a beaucoup travaillé et qui a pas pantouflé dans le système capitalistique. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a un manque de cohérence parce que vouloir inviter les Français à avoir, même si on ne le dit pas, un système par capitalisation, encore faut-il que les salariés aient suffisamment de moyens pour cotiser dans un système par capitalisation. Donc aujourd'hui, en exonérant les salariés qui auraient plus de 10 000 euros par mois, on crée une interrogation. Et cette interrogation est bien sûr dénoncée par les syndicalistes, qui dit qu'en réalité, tout ce système est prévu pour développer la retraite par capitalisation, alors que les Français sont fortement attachés par la répartition. Dans tout système de retraite, il est très important de savoir qu'en réalité, tout système fonctionne entre le nombre des actifs et le nombre des retraités. Le reste, c'est de la littérature. Ce sont des modalités de calcul. Et la répartition, bien sûr, exige qu'il y ait davantage d'actifs que de retraités. Or, aujourd'hui, malheureusement, nous avons des chômeurs. Donc, si on diminue le nombre des chômeurs, c'est-à-dire qu'on augmente le nombre des salariés, à ce moment-là, on a une chance d'équilibrer le système sans même allonger la durée du travail. Mais pour cela, il faut changer de logiciel économique, il faut investir, et à mon avis, il faut revisiter le système logiciel de Maastricht dans lequel nous sommes coincés. Car tout cela se tient. Plus vous avez d'actifs, moins vous aurez besoin d'augmenter les cotisations, soit
patronale, soit salariale, soit d'augmenter la durée du temps de travail. Mais pour cela, il faut développer les investissements. Et pour développer les investissements, eh bien, il faut retrouver les avances des banques centrales aux États pour investir, ce qu'interdit Maastricht. Et là est la faute. La 4e République, la 5e République, jusqu'en 1992, se sont développées par des avances aux États pour l'investissement. À partir du moment où nous augmenterons les investissements, qui sont très bas en France, car nous avons besoin d'intelligence artificielle, d'équipements militaires, nous avons besoin de développer les chemins de fer, les universités, etc. C'est la seule solution pour investir et relancer la machine économique. Mon cher monsieur Jacques Myard, monsieur le maire, une question vraiment qui est presque sujet tabou, et surtout les hommes politiques n'en parlent pas, ne l'acceptent pas, c'est l'histoire des complots, complotistes et complots. Nous savons très très bien qu'aucun homme politique qui est placé n'importe où, élu, député, ministre, premier ministre, président de la République. Pourtant, il y avait beaucoup d'écrasement de personnalités avec des procès, et toujours, surtout, on peut dire après des années 80, en France surtout. Mais personne n'a pas osé parler de l'existence de complots, dire qu'on est complotiste, etc., etc. Mais récemment, avec l'histoire de Carlos Ghosn, nous pouvons constater que certains politiques, et même lui-même, monsieur Carlos Ghosn, ses avocats, autour de lui, on a commencé à parler de l'existence d'un complot contre monsieur Carlos Ghosn. Avant de parler de Carlos Ghosn, j'aimerais savoir vous, que pensez-vous au sujet de cette histoire, sujet tabou, complot? Alors nous pouvons constater que si Mitterrand n'était pas mort comme il a voulu partir, il y avait des procès contre lui. Après, tous les présidents presque des procès, sauf François Hollande, on ne le voit pas. Et après, des ministres, des sénateurs, des grands ministres des Affaires étrangères comme Ronald Douman, tout ça, on sort des choses, on sort. Il y en a toujours. Alors, moi, chaque fois quand je suis aux États-Unis, les Américains, ils pensent, en majorité, ils pensent que c'est des complots en France, etc. Mais avec l'histoire de Carlos Ghosn, ça commence en France de parler de complot, surtout qu'un ami, comme vous savez, on le connaît de tous les deux, il a fait un livre, qu'un autre, il est en train de le faire, sans complot, pour etc., etc. Il y en a un autre. Enfin, mais vous, cher monsieur Jacques Myard, que pensez-vous d'abord concernant le complot et complotiste, et après sur l'histoire de Carlos Ghosn? Je dois vous dire que les Américains portent une responsabilité totale dans le chaos qu'ils ont créé en Irak et aussi, je dirais, au Proche et au Moyen-Orient. Parce que l'invasion de l'Irak contre Saddam Hussein, qui n'était certainement pas un très grand démocrate, qui a été une manipulation sur les armes de destruction massive, a rendu, il n'en demeure pas moins, un grand service à l'Iran, puisque Saddam Hussein était un ennemi juré de l'Iran. Bravo, bravo. Deuxièmement, il faut voir que aujourd'hui, la dénonciation de l'accord nucléaire de juillet 2015, qui est le plan d'action global, est une faute de la part de Trump, car celui-là voulait dénoncer le travail de son prédécesseur Obama. Et donc il a attaqué cet accord, il l'a dénoncé,
essentiellement pour des raisons internes vis-à-vis de son prédécesseur démocrate et renforcer son, je dirais, son autorité populiste. Mais, bien évidemment, il avait derrière la tête qu'en démultipliant les sanctions, y compris contre des sociétés françaises et européennes qui étaient installées en Iran, son objectif était et est toujours de faire tomber, entre guillemets, le régime avec lequel il a une idéologie féroce et qu'il ne veut pas admettre, le régime des ayatollahs. C'est évident. Néanmoins, comme vous l'avez si bien dit, à partir du moment où il émet des sanctions contre le peuple iranien, qui est un peuple qui malheureusement souffre, qui est un peuple qui est national et qui est capable de résister aux pressions extérieures, il a renforcé le régime, et notamment les plus durs du régime, les Pazans. Dès lors, en commettant l'assassinat de Soleimani, il a franchi un cap complémentaire ou supplémentaire pour, je dirais, renforcer l'unité nationale du peuple iranien et des chiites d'une manière générale. Donc tout ça, c'est véritablement de la politique du pire. Et il porte une responsabilité incroyable. Et je regrette que le gouvernement français, à ce propos, n'ait pas fait un discours comme l'avait fait Villepin aux Nations Unies, en disant non, nous condamnons cet acte, et le rendre public, et essayer d'entraîner également les autres partenaires européens qui dénoncent au fond d'eux-mêmes l'aventurisme de Trump. Je dois saluer que la réponse iranienne a été proportionnée, a été responsable, ce qui ne signifie pas que cela va peut-être s'arrêter là. Ce qui est certain, c'est que véritablement, si on continue le crescendo des menaces, des tirs, des, je dirais, règlements de compte, c'est pas demain que nous aurons la paix, au Proche et au Moyen-Orient. La seule solution, c'est effectivement de retrouver un accord nucléaire entre tous. L'accord qui avait été signé en 2015 n'était peut-être pas parfait, et encore, il faut donc retrouver cette base. Et il faut que les Américains cessent avec leurs sanctions, avec leurs applications extraterritoriales, notamment à l'encontre des sociétés françaises et européennes, de vouloir être le gendarme du monde. Cela suffit. Ça ne signifie pas non plus que, bien évidemment, le régime de Téhéran ne puisse pas évoluer vers plus de démocratie, vers plus de compréhension pour les groupes minoritaires, mais ce qui est certain, ce n'est pas en le menaçant, c'est pas en le menaçant de le détruire qu'on va faire évoluer le régime en interne. C'est exactement le contraire. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le maire, Jacques Meillard, d'accepter mon invitation de ce soir. Et mes chers amis, nous sommes avec une personnalité politique exceptionnelle, Jacques Meillard. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous avez des opinions assez différentes et, on peut dire, patriotiques de la part de Jacques Meillard. Alors, Monsieur Jacques Meillard, actuellement, si vous êtes consulté par Emmanuel Macron concernant cette crise qui est assez grave, je crois que même plus grave de ce que votre ami Alain Juppé il avait à l'époque, qu'est-ce que vous le conseillez à Macron? Je conseillerais très simplement à Macron que la France retrouve sa totale indépendance
au Proche et au Moyen-Orient, et qu'elle cesse de suivre les Américains aveuglément. Deuxièmement, à long terme, il est évident que miser aujourd'hui sur l'Arabie Saoudite, qui est un pays instable, avec beaucoup de difficultés internes, ce n'est pas parce que nous pouvons avoir des contrats. Il faut jouer la carte aujourd'hui de l'Iran, car la carte de l'Iran, c'est à terme un grand pays de 100 millions d'habitants et qui est capable effectivement d'imposer avec l'ensemble des États alentours une paix qui ne soit pas bien sûr la paix persique, mais qui permette de rebâtir, les désastres des guerres qui ont trop duré. J'ajoute que l'Iran est un ennemi farouche d'Al-Qaïda et de l'État islamique, et que malheureusement l'Arabie Saoudite, dans ce domaine-là, a joué aussi les apprentis sorciers. Je suis même convaincu que l'Iran peut trouver des relations apaisées avec Israël, car véritablement, ce sont deux États structurés et qui peuvent véritablement évoluer, chacun en ce qui le concerne, vers encore plus de démocratie. Mais jouer aujourd'hui pour la France la carte américaine et la carte de l'Arabie Saoudite est une faute. Alors, encore, je vais vous donner un autre cadeau, mon cher monsieur Jacques Millard, puisque quand on est avec des gens comme vous, ça sert, si je vous donne certaines informations. Au moment des élections iraniennes, Rouhani, il a envoyé une personnalité assez importante, c'était mon copain, il est toujours vivant, c'est un grand artiste qui est devenu politicien, il avait été élu à l'époque, il est venu à Paris, chez moi, dans mon club Bonaparte. Et sans aucun doute, vous avez entendu le nom de Ruhollah Hezam, ce garçon qui était arrêté, qui avait une agence de presse. Ruhollah Hezam aussi le soir même, il est venu là-bas chez moi. Alors, cette personne était invitée le soir même, invitée de l'ambassadeur d'Iran en France. Et devant moi, il a refusé l'invitation. Il a dit, je suis avec, Siavash Avesta, c'est mon nom iranien, David Abbasi. Alors, moi, j'étais très content que ce monsieur, il vient d'Iran, 2 jours ici en voyage, et il décline l'invitation de l'ambassadeur, et il mange avec moi, puisque, vous savez, moi, ça fait 40 ans que j'ai quitté l'Iran, mais j'avais beaucoup d'amis, y compris ce qu'on-là, qui est le guide spirituel, Ali Khamenei, et les autres, étaient amis de mon père. Enfin, vous savez, monsieur Jacques Millard, il m'a dit, David, écoute, j'ai un message que je vais transmettre aux Israéliens, Rouhani, il dit que nous allons normaliser nos relations avec l'Israël si je suis président. Cette personne, vous avez énormément de photos de lui avec Rouhani, il était un soutien de Rouhani, c'est quelqu'un que le monde entier, iranien, il le connaît, et après cette histoire, M. Jacques Millard, j'ai fait ce qu'il fallait. M. Shimon Peres, qui était le président de l'époque, lui-même, après quelques jours, il a annoncé qu'il est prêt à rencontrer Rouhani. Mais nous avons pu constater que lui, il n'a pas répondu. Vous avez entendu au moins cette invitation de Shimon Peres à l'époque, M. Jacques Millard? Écoutez, ça remonte déjà à un temps certain. Malheureusement, Shimon Peres n'est plus. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'il est possible que Israël et l'Iran trouvent des relations apaisées. Mais pour cela, bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des deux côtés des gens qui jouent la carte du pire. Je ne suis pas certain que la politique de Netanyahou soit véritablement une politique de paix et de pacification. J'ai toujours dit à mes amis israéliens, notamment aux ambassadeurs,
qu'il faut qu'Israël soit accepté comme un État du Proche-Orient au Proche-Orient. Et aujourd'hui, on voit bien que, notamment encouragé par la politique de Trump, il y a un refus de créer deux États, alors que ce serait la sagesse même. Car à terme, Israël va avoir des problèmes démographiques dans un monde qui peut être hostile autour de lui. Donc il n'y a pas à véritablement avoir 36 solutions. Il faut qu'il y ait deux États qui soient indépendants et travaillent ensemble. La question de l'eau est primordiale. La question du développement est primordiale. Les Israéliens ont beaucoup de compétences et ils peuvent apporter notamment aux pays arabes alentours des compétences pour développer leur pays. C'est ça la solution. Si on continue à se dire « tu m'as fait ça, je vais te faire ça » à chaque fois qu'il y a une action terroriste, c'est qu'il y a une proto-histoire. Donc c'est sans fin. Et donc il faut casser ce cercle de la violence pour trouver des relations apaisées. Malheureusement, les encouragements américains aux positions israéliennes extrémistes ne sont pas un facteur de paix. Exactement. Alors, M. Jacques Myard, vous, plusieurs fois, vous étiez messager de la paix à droite, à gauche. Voilà, il faut le dire. Et pourquoi, puisque comme j'ai entendu, plusieurs fois, vous étiez invité d'aller en Iran. Pourquoi vous n'allez pas là-bas pour essayer d'obtenir certains avantages pour la paix, mon cher monsieur Jacques Myard? Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui je ne suis plus député, mais j'ai toujours un œil attentif sur ce qui se passe dans cette région, car elle est très proche et elle a une influence directe sur la paix civile également en France. Donc je ne désespère pas de retourner en Iran dans un futur proche, mais pour l'instant je m'occupe de ma réélection en tant que maire. Donc c'est une question de priorité. Mais j'espère bien retourner en Iran, parce que c'est un pays intéressant et que j'espère ainsi de voir comment ce pays peut progresser, parce que je pense qu'il peut trouver une voie originale de développement interne et d'aller vers des standards démocratiques qui ne soient pas complètement étrangers aux nôtres. Voilà. Donc c'est une question d'évolution. Mais ce qui est certain, c'est pas en menaçant l'Iran et le régime actuel que l'on va progresser dans ce sens. Vous avez raison, mon cher monsieur Jacques Myard. Vous savez, Michel Rocard aussi, qui n'est plus là, mais il avait son bureau dans mon immeuble. J'étais au sous-sol, il était à l'étage. Vous savez, il n'était plus premier ministre, mais il a pu travailler pour la France et gagner plusieurs millions de dollars en faveur de l'économie française, en faveur de la caisse trésor public, le moment que la France voulait repatrier ses troupes de l'Afghanistan. À l'époque, président de l'époque, il m'a demandé « Qu'est-ce qu'on doit faire avec l'Iran ? On ne comprend pas avec qui on doit parler !» J'ai dit « Voilà, je vais vous dire, vous devez parler avec le guide. Et tous ces gens-là, c'est de la blague. Oh, vous devez travailler avec, parler avec Qassem Soleimani. » À l'époque, j'ai dit, s'il s'agit de la guerre, et si d'autres choses, vous pouvez parler avec Qassem Soleimani, mais si vous n'avez pas l'accès, vous devez parler avec le guide, c'est tout. Parce que c'est lui qui donne premier et dernier l'ordre. Tout ça, c'est de la blague. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, au lieu d'envoyer des messagers lui-même, il a envoyé Poutine à l'époque en Iran. Et Poutine, il a fait la demande de la France que c'était prendre en charge de la part de l'Iran, repatrier les troupes et l'installation française en Afghanistan.
Et Michel Rocard était au courant, il était allé en Iran, etc. Quand il est retourné de là-bas, Michel Rocard, comme vous le connaissez, enfin, vous savez que pendant des années, il était contre les ayatollahs. Et après, j'ai vu certains actes qu'il fait. J'ai dit, monsieur, vous étiez contre ces gens-là. Il a dit, ah non, 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 maintenant, tout a changé. Tout a changé. C'est pour ça que je suis sûr et certain qu'un jour, si vous êtes messager de la paix pour aller là-bas, d'abord, n'oubliez pas, il faut aller voir Ali Khamenei, c'est tout. Personne n'a pas de pouvoir là-bas, qu'il soit parlement, président, je ne sais pas qui, personne. Il faut aller directement le voir. Même une fois, j'ai envoyé le message pour Macron, j'ai dit, tous ces trucs-là, ça ne sert pas. Si on parle directement avec Ali Khamenei, on peut réussir. Mais si on va passer par le président de la République, par l'ambassade, etc., ça ne va pas aller. À l'époque, M. Myard, il y avait Kharrazi ici qui était l'ambassadeur, puisque c'était son. Jean, enfin, la sœur de Kharrazi, qui était ici ambassadeur, était mariée avec le fils d'Ali Khamenei. Ça, à l'époque, ça marchait bien. Mais maintenant, si on veut arriver à quelque chose, obtenir quelque chose, il faut aller le voir. Et puisque psychologiquement, je connais cette personne-là, de temps en temps, quand on ne fait pas ça, quand on va le demander par les biais de concurrents, dans son pouvoir, ça marche pas. De toute façon, vous étiez toujours un homme de la paix. Tout ce que vous aviez fait, c'était pour la France et pour la paix, Monsieur Jacques Myard. Et j'espère que dans les prochaines élections, vous gardez votre place, puisque et les gens de Maison Lafitte vous aiment beaucoup. Vous savez que j'ai beaucoup d'amis là-bas. Vous savez mieux que moi, les gens de votre ville vous aiment beaucoup. Écoutez, je vous en remercie. Ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours envisager la politique étrangère comme une donnée à long terme. Il n'y a pas de politique étrangère sans une vision à long terme. Et au Proche et au Moyen-Orient, il faut compter avec les États qui vont être véritablement les États qui peuvent équilibrer les choses. Bien sûr, il y a l'Iran. Je me suis moins certain que l'Arabie Saoudite ne rencontre pas beaucoup de problèmes. Il y a Israël. Il y a la Turquie également. Et j'espère qu'on arrivera à reconstruire la Syrie. Car effectivement, la Syrie a échappé aux barbares de l'État islamique et d'Al-Qaïda et qui ne sont pas encore complètement tous morts. Donc il faut jouer la carte de la reconstruction nationale dans tous ces États pour que les peuples puissent enfin vivre en paix. Que ce soit comme c'est, comme vous dites, Monsieur Jacques Mia. Je vous remercie Merci. beaucoup et je vous souhaite bonne nuit. Voilà. À très très bientôt. Merci Merci. d'accepter mon invitation, Monsieur le maire. Bonne soirée à tous. Merci et vous Au aussi. revoir. Bonne soirée. Au revoir. Voilà, ça c'était Monsieur Jacques Mia avec nous sur 95 de FM. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95.